Grâce à un habile retournement de situation dû au génie de Maurice Lagrammaire, nos amis sont sortis de leur caisse, des soutes et de la clandestinité. Détenteurs du goût-gouze ou boudin sacré, ils règnent en maître sur le Carmen Tessier où l'équipage babu fanatique est à leur dévotion. Capitaine Jagadis. Oui, maître. Le sauté de veau n'est pas frais. Eh, c'est que nous naviguons depuis 3 mois. Mais ça, je m'en fous. On veut pas le savoir. N'est-ce pas, mon cher Maurice? Et parfaitement. Appelez-nous le cuisinier. Oui, maître. Oliver! Oliver! Comment? Oliver? Votre cuisinier, c'est... Eh oui, c'est bien lui, le grand chef gastronome. On l'a engagé au pain. Lui fait la cuisine et, en échange, nous mangeons ses plats. Monsieur Oliver, la viande n'était pas fraîche. Ah, je sais, messieurs, et j'en ai assez souffert. Et alors? Alors, messieurs, je sais ce qui me reste à faire. Ah! Moi, oh, qu'est-ce que c'est, monsieur? Ah! Il s'est fait sauter la cervelle. Mais comment ça? Au beurre noir avec des petits oignons. Ah, voilà qui est digne de Vatel. Vatel est venir, ma pasticciata bolognaise. Christo, c'est moi qui ai détient le goût-gouze et c'est moi qui ai servi le dernier. Oui, excusez-nous, maître. Et vous allez voir quand c'est que je vais le dire au grand babou, il ne sera pas content. Pitié, monsieur. Allons, si, mon vieux, soyez patient. Ma santa madonna, j'ai faim, moi, j'ai les dents pointues, moi. Ouais, pensez un peu à Théo, le pauvre. Lui, il n'a pas mangé depuis hier. Et par qui? Eh bien, vous savez bien qu'il répare l'émetteur radio. Et ça passe avant tout. Il en met tout le temps. Dites donc, vous savez, la technique radio, c'est du travail délicat. Tiens, et vlant, et aïe donc, oh. Alors Théo, ce poste émetteur. Mon pauvre Black, il était dans un état. Le cuisinier s'en servait pour griller ses toasts. Et il faut prévenir Carole très vite, avant d'entrer au port. Je sais, la marée est dans une demi-heure. Des figues, des baleines, des noix. Des noix, des baleines, des figues. Dans une demi-heure, nous allons rentrer au port. Des noix, des baleines, des figues. Je crois que cette fois-ci, nous avons perdu. Des figues, des balades, des noix. Tu t'en fiches, hein, toi? Tout le monde pue. Il sent la charogne. Y'a que le grand babu qui sent l'eau de Cologne. Tout le monde y pue. Il fait mal au cœur. Y'a que le grand babu qui a la bonne odeur. Grognache! Oui, patron. J'ai une idée. Une idée, patron? Oh, comme je vous envie. C'est ce que tu chantais, là, qui vient de me la donner. Ce que je chante? Ah, mais c'est l'hymne sacré des babus. Oui. Allez, passe-moi ma trousse des toilettes, mon petit grognache. Votre trousse, patron? Tenez, la voilà. Attends, je cherche l'autre cologne. Voilà. Ne nous énervons pas. Tiens, verse-moi ça sur la tête. Le tout, patron? Mais oui, tout le flacon. Oh, dommage. De la belle eau de Cologne. Allez, vite, fais ce que je te dis. Tenez, voilà, patron. Parfait. À présent, appelle le capitaine Jagadis. Bien, patron. Messieurs, j'ai convoqué tout le monde sur le pont. Sur la demande expresse de notre prisonnier, l'imposteur Claquemouf. Je vais me justifier devant tous. Mon cher Black, je me demande où il veut en venir. Oui, moi aussi. On m'accuse d'être un imposteur, de ne pas être l'envoyé du grand babu. Silence, alors. Les goutte-gouze m'a été volé. Mais que dit votre cantique, oh mes frères babu? Chante, grognache. Oui, patron. Tout le monde y pue, il sent la charogne. Y'a que le grand babu qui sent l'eau de Cologne. Tout le monde y pue, il fait mal au cœur. Y'a que le grand babu qui a la bonne odeur. Parfait. Voilà, à présent, capitaine, reniflez ces imposteurs. Quoi, qui, nous? À mon commandement! Reniflez! Oh, laissez-le me sortir, en fait, c'est dégoûtant! Oh, mon vent! Silence! Ça pue! Silence! Oh, ce que ça pue, alors! Oh, ça pue! Silence! Maintenant, capitaine Jagadis, venez me sentir, moi. Capitaine! Qu'est-ce que je sens? Mais, monsieur Claquemouf, vous sentez le... Quoi? L'eau des colognes, ça c'est sûr, l'eau des colognes. Allez, redis-le encore une fois, face-moi où je te descends. Qu'est-ce qui sent, mon patron? L'eau des colognes. Alors, imbécile capitaine des crétins, qu'est-ce que ça prouve? Qu'est dit l'hymne rituel des babus? Et il dit, il n'y a que le grand babu qui sent l'eau des colognes. Après?
tout le monde y pue, il fait mal au cœur. Après ! Il n'y a que les grands babus qui ont la bonne odeur. Alors ? Alors ? Chaviro, Rotan Tacha, c'est vous l'envoyé du grand babu. Chami Pataro ! Hé, capitaine Jagadiz, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est quand même nous qui possédons le Bouddha sacré. Christo, et ça, c'est le goût de gousse ou c'est le parmesan ? Ces hommes sont des imposteurs, capitaine ! Ils m'ont volé les goûts de gousse ! Ouais, vous les avez reniflés, c'est eux qui sentent la charogne. Et c'est Monsieur Claquemuf qui a la bonne odeur. Profanation ! Ah. Ils ont volé les goûts de gousse ! Profanation ! Allons, mes amis, ne nous énervons pas, réfléchissez, c'est nous qui possédons le Bouddha sacré, voyons. Donc, logiquement... Mais nous n'avons que faire de votre logique, Monsieur Maurice. Arrêtez-les, Jagadiz ! Oui. Et qu'on les jette au fer ! Christ, mais ils vont me brutaliser ! Écoutez, je vais voir si Théo a réparé le poste émetteur, ça devient très grave. Tous ! À mon commandement ! Oui. Emparez-vous de ces hommes ! Non ! J'ai dit ! Bande d'imbéciles, ils l'ont volé ! Je suis l'envoyé du grand babu ! Arrêtez-les ! Pendant ce temps, devant l'émetteur radio... Alors, Théo ? Ça marche, Maurice. J'appelle Carole sur 28m02. Si elle est à l'écoute, elle m'entendra. Allô ? Allô, Institut électronique, vous m'entendez ? Allô, IE35, vous m'entendez ? Allô, IE35, vous m'entendez ? N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux, et pourquoi pas nous aider financièrement ?